Bonjour, bonjour, sans plus attendre, les combats du numéro 26 au numéro 30 dans la maison de combat. Là, je vous dis, je suis chaud patate. On a eu une chance juste pas possible dans les combats du numéro 20 au numéro 21 au numéro 25. Pourvu que ça dure. Est-ce que ouvrier Arnaud va pouvoir arrêter la machine qui est lancée? Ah, Triopica, ça peut être chiant, parce que c'est très rapide. Alors de là, être plus rapide que Tarpo Scarf et Hyporoi Glissade, j'en suis pas certain. Mais ça peut être très chiant. Et Fortress, je sais pas trop à quoi m'attendre de sa part. On va double focus le Trio Picker parce que Trio Picker, ça va faire explosion. Ça va faire explosion en face. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit chaos scandaleux sur le Fortress? Est-ce qu'on pourrait pas voler cette game? Pas du tout. Il m'aurait fallu un crit. Ça, c'est bien dommage. Je voulais pas prendre de risque et double focus le Trio Picker. Je suis certain qu'il va faire explosion si ça fait abri à côté. Ok, Bessitrus. J'ai le chaos quand même avec Surf tour suivant. Donc c'est pas un souci. Aïe. Quoi? Pico? Abri pour faire pico. Bon, d'accord. La non-rentabilité du Fortress. Très bien, bah merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça retire Trio Picker. Pour Galley King. Ok, mais ouais, mais Galley King, il va souffrir. Là, parce que même avec fermeté, bah, comme il se fait toucher deux fois... Eh bien, il pourra pas survivre à la fin de ce tour. Et c'est un Galley King gratuit qui est envoyé dès le début du combat. C'est plutôt gentil, hein. C'est plutôt gentil. Après, c'est un peu facile, du coup. Mais bon, en même temps, Trebicker pouvait peut-être pas faire grand-chose non plus. Ça permet pas vraiment de tempo la pluie, ceci dit. Donc, je trouve pas ça très malin. Mais bon. Vais-je me plaindre? Non, jamais de la vie. Ouh, Fermite. Alors, on va double focus le Trio Picker, même si je sais qu'il a abri. Parce que de toute manière, je sais que... Ouais, il fait abri encore une fois. Il y a des Pokémon qui sont programmés pour spammer abri hein, dans la maison de combat, c'est très chiant. De toute manière, je sais que je finis la game tranquillement avec Mega au carnage. Une canicule. Et on n'en parle plus, on est très bien. Et on a le chaos sur Fermite, il n'y a même pas de coup critique. Vive la pluie. Incroyable, c'est incroyable. Tarpo, vraiment, on n'arrête plus. Tarpo fait des miracles. Surf, ébullition, il faudrait une ceinture force pour résister. Ou un double abri, qu'il ne réussit pas. Et c'est une game véritablement donnée. Et il n'a même pas de ceinture force, ni même une veste de combat, que sais-je. Je pense que même une veste de combat ne lui permettait pas de survivre, parce que Trio Picker, il est tellement fragile. C'est d'une fragilité juste pas possible. Trio Picker est un Babtou. Trio Picker, c'est vraiment... C'est pas la folie. C'est très rapide. Ça tape assez fort, ouais, moyennement fort, mais c'est fragile, c'est vraiment beaucoup trop fragile pour être vraiment très intéressant. Et du coup, victoire au numéro 26, au combat numéro 26, assez tranquille. On se dirige maintenant vers le numéro 27. Peut-être une team météo pour essayer de nous contrer. Et oui, effectivement. J'ai prédit le gel la semaine dernière, aujourd'hui j'ai prédit la team météo. Et je dis pas tous les combats team météo où je gèle, ouais, d'accord. Bon, c'est juste de la chatte, hein, là, ouais. J'ai juste de la chatte. Hein. J'ai rien deviné du tout, la vérité. Mais bon, c'est pas grave. Faites comme si c'était le cas. Donc, je vais y aller pour un petit surf. Suivi d'un lumine. Oui, d'un lumino canon sur Blizzarwa. C'est quasiment que pour Blizzarwa que j'utilise lumino canon. Si, pour des Pokémon comme Nymphalie aussi. Des Pokémon Bulk qui fait quand il n'y a pas la pluie. Lumino canon est plus intéressant. Allez, on est boosté, on est forcément plus rapide que le Blizzarwa. Et on fait le KO. Quoi? Bon, il va se suicider avec Marteau Bois, c'est l'avantage. Même si mes KO Tarpo, il ne met pas KO, mais avec la grêle, Tarpo va mourir. Et du coup, je pourrais pas remettre la pluie dans ce combat. Ça, c'est très gênant. C'est vraiment très gênant, ça va pas être évident là. Ok, bon, il focus Tarpo, ça c'est tant mieux pour moi. Parce que, de toute manière, Tarpo allait mourir avec la grêle. Donc au final, on se met très bien. On se met extrêmement bien. Bon, il n'y a plus de Blizzarwa, qui est le Pokémon qui profitait le plus de la grêle. Donc au final c'est pas dramatique. Est-ce que j'envoie... au carnage maintenant? Bah, je sais pas trop. Si un Pokémon... Ouais, je peux pas trop protéger... je peux pas protéger Tritos... Oh, que je suis à plus 1 en... Bon, je suis à plus 1 en attaque spéciale avec Hyporoi. Je peux le protéger Tritosaur, je pense. Si jamais il y a un Pokémon gênant en face. Et ça envoie la Lamantine. Ok, donc c'est pas du tout un Pokémon gênant. C'est même très
Très très bien de l'avoir en face. Donc on va y aller pour Telluriforce. On va double focus le Lamantine, hein. Telluriforce plus Dracochoc. Ah, ça bluffe, d'accord. C'est un Lamantine avec bluff. Dracochoc, voyons les dégâts, je pense pas l'avoir en un coup. Lamantine est relativement bulky. Et Psycho, c'est pour Tritosaur. Ok, je retire. Ouh, ça me semble être un coup critique, ça. Non? C'est pas un coup critique? Ah, il prend cher quand même, là, je trouve. Est-ce que ça lui permet de tenir Dracochoc? J'espère pas. À peu de choses près, c'est imaginable. Ah, si Lamantine tient le Dracochoc, ce serait très gênant. Au pire, je peux faire une canicule qui en terminerait avec avec notre ennemi, hein, parce que je vais arrêter de dire ami, notre ennemi Lamantine. Donc je vais y aller juste pour Dracochoc. Oh, il y a une Bécherim. Ah non, il vit Vrif, d'accord. Mais non, Bécherim, il lui fallait moins de PV que ça. Et Lavabo, désolé mon chéri, mais Lavabo, pas de dégâts. Pas de dégâts. Et voilà, et en plus, Hippo One a presque rien pris. On est dans une très très bonne position. Est-ce qu'on fait le KO avec Dracochoc? On le fait, on le fait. Ça se joue à très très peu de choses près, hein, vu ce qu'il avait récupéré comme PV. Il lui restait peut-être tout pile ce qu'on lui a enlevé juste avant. Il n'y a pas de drop. En défense spéciale, ça c'est un peu chiant. Est-ce qu'il a le KO? On a vu les gros dégâts juste avant. Et il a le KO, ouais, ça me surprend pas vu les dégâts qu'il a fait avant. Mais ça me surprend quand même qu'il fasse autant de dégâts. Il serait bien lunette choix. Parce que je vois pas comment il peut faire autant de dégâts sur les lunettes choix. Le roi Gada, il a pas une attaque spéciale monumentale. Donc ça me paraît quand même très très abusé, les dégâts. Alors ça c'est très gênant. Ça c'est très très gênant. C'est très gênant le Polagriffe. Alors là c'est pas facile. C'est pas facile. Avec Dracochoc, je termine Flagados, ok. Flagados, Wagada, pardon. Canicule, c'est... ah ouais, mais Roucarnage est plus rapide, du coup, il y a le damage reduce. Donc, Canicule, la puissance passe de 100 à 75. Stabé, c'est du 150. Super efficace, c'est du 150. Vent violent, c'est du 110. Stabé, c'est du 165. Vent violent est plus puissant que Canicule sur... Sur Polagriffe, c'est plus puissant. Et je me demande même si si Ultra Laser, c'est pas plus intéressant. Le truc, c'est que... Ouais, j'ai peur qu'il fasse le KO aussi, mais... Mais je suis certain d'avoir en deux coups. Si je l'ai pas en un coup, je l'ai en deux coups, le Polagriffe, au pire. J'ai pas me soucier d'un miss d'Ultra Laser ou de Canicule, puisque j'ai annulé garde. Alors, attends, je fais bien attention à bien méga évoluer. Ouais. Vent violent. Et Dracochoc sur le Roi Gada. Je méga évolue là, hein. il faut clairement que je méga évolue, parce que rien n'est fait dans ce combat, hein. Là, rien n'est fait. Je sais pas comment il est ce Polagriffe, s'il est Scarf, ça peut être un gros problème. Ok, si je mets un vent violent, en principe, je vois pas comment je peux perdre à part un Blizzard. Ok, c'est une Bécitrus, c'est pas un objet qui augmente sa vitesse ou son attaque ou que sais-je encore. On fait le KO sur Rwagada, évidemment, hein. Je suis à plus 100 en attaque spéciale, même si Rwagada a une bonne défense spéciale. Ça ne suffit pas, donc Rwagada n'attaque pas, et ça, c'est très très bon. Avalanche, ok, c'est pas Blizzard, c'est ça le plus important. Et sur Hipporoi, ça fait que dalle, c'était le plus important, voilà, c'était qu'au moins l'un de mes deux Pokémon reste en vie, parce que derrière, il peut rien faire du tout. Et l'Ultra Laser, on va pas le prendre de pitié. Et l'Ultra Laser, regardez-moi comme c'est beau. Et oh là là, vous voyez l'Ultra Laser en pleine gueule. On sent la violence de Mega Roucarnage. Une attaque à 150 de puissance stabée. C'est quand même pas négligeable. Pour la maison de combat, c'est vraiment intéressant. Ça vous permet de finir des Pokémon que vous pouvez pas terminer. En principe, là j'avais le KO avec Vent Violent. Quoi qu'il en soit. Mais il y a des situations dans lesquelles Ultra Laser, ça peut clairement faire la différence. J'en suis convaincu. Ou du moins, ça peut assurer la game. Et ça, c'est pas négligeable. Allez, combat numéro 28. C'était pas facile ce combat là, hein. J'ai eu un petit peu peur avec le Polagriffe. Et finalement le fait qu'il y ait eu la grêle, c'était pas forcément une mauvaise chose, parce que Polagriffe est un Pokémon qui peut avoir le talent glissade. Et du coup il aurait été plus rapide que Omega Roucarnage. Quoique Omega Roucarnage est tellement rapide, je suis pas certain. Il faudrait regarder, il faudrait calculer. Alors là le plus chiant, quoique, avec le talent défaitiste, le Archéoptérix, en principe, après un surf, s'il meurt pas, de toute manière, il fera très peu de dégâts. Donc, j'ai pas trop de soucis à me faire, je pense. Ça m'étonnerait qu'il soit plus rapide. On est plus rapide.
Est-ce qu'on fait le KO? Ouais, il a pas de ceinture force, là, Archaeopteryx. Archaeopteryx, c'est un Pokémon qu'on voit tellement jamais, c'est pour ça que j'ai du mal à prononcer son nom. Et on va terminer le... Ouais, je pense qu'on va assez clairement terminer le... Le corps boss, quoi qu'on l'a pas terminé tout à l'heure, je crois. Tout à l'heure, comment ça s'est passé quand on l'a pas, terminé? J'avais fait Surf Ébullition quand il y avait Flambusa? Non, c'était peut-être pas tard, c'était la semaine dernière. Je sais plus exactement. Je sais plus exactement. Alors évidemment, quand des fois je dis tout à l'heure, la semaine dernière, parce que vous le savez, j'enregistre les vidéos de deux par deux, donc ça peut m'arriver de dire tout à l'heure alors que c'était la semaine dernière. Des fois je dis la semaine dernière, alors je sais très bien que je l'ai enregistré, quelques minutes avant, évidemment. Je suis de mauvaise foi, bien sûr. Enfin non, ça n'a rien à voir, mais évidemment ça peut arriver. Alors, Ronflex, c'est l'un des Pokémon qui peut me déranger le plus. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon qui a énormément de PV, plusieurs moyens de récupérer ses PV, et une énorme défense spéciale. C'est clairement ce qu'il y a de plus gênant pour moi. Porygon 2, je sais pas trop quoi penser. Il peut avoir Tonnerre, mais... Après, il reste plus que deux Pokémon. Je vais plutôt aller chercher Porygon 2, qui est plus facile à mettre KO. Oh, parfait, en plus il fait abri. Il est plus facile à mettre KO, je pense, Porygon 2. À moins qu'il ait l'Evoluroc, mais dans la maison combat, je crois qu'il a pas l'Evoluroc, Porygon 2. Ouais, alors voyons les dégâts d'ébullition. Oh, je pense qu'il y a un KO potentiel. Ouais, ouais, il y a le KO. On est à plus 1. Ébullition, ça fait plus mal que Surf, vu qu'il y a le damage reduce, les dégâts de zone. En plus, c'est Hyporoi qui tape plus fort. Donc, on se met bien. Et là, ouais, de toute manière, il y a Tritosaur. Il y a Tritosaur pour finir le Ronflex à la fin. Enfin, si jamais je suis dans une situation compliquée contre un Pokémon comme ça, Tritosaur, c'est toxique. Soin. Et c'est win en général. Très peu de Pokémon qui peuvent battre Tritosaur à ce petit jeu-là. Il n'y a pas de brûlure. Et ça mange une Bicitrus. Ok, une Bicitrus. Pour faire quoi? Pour faire Machouille. Aucun souci, ça veut dire qu'on a forcément le KO. Au tour suivant, la Machouille qui fait pas grand chose. Ronflex, il n'y a pas une grosse attaque. Hein. Ronflex, il a besoin d'un boost en général pour être vraiment dangereux. Ça s'abrite à l'infini, c'est pas très grave, ça ne me dérange pas. Ça m'empêchera pas de win cette partie. Encore abri, c'est pas grave. Surf, ébullition. Un surf. Et c'est terminé, même pas besoin de faire l'ébullition, c'est parfait, parfaitement parfait, le combat numéro 28, rondement mené, aucun souci. Ah non, mais c'est un sprint vers la victoire, là, cette équipe là, c'est monstrueux. Je pense que j'étais plus en difficulté en solo. Après, c'est peut-être plus facile en duo, puisque c'est plus simple de mettre en place des stratégies de type rouleau compresseur. C'est sûrement plus simple en duo, c'est... Oui, peut-être. Après, c'est plus spectaculaire en duo qu'en solo, je trouve. Quoique, le fait que les Pokémon de la maison de combat en duo soient pas... ils sont pas adaptés pour le duo, au final... Ouais. Il y a débat. Bon, je pense que j'ai clairement le chaos sur Pierroli. Alors, dans la maison de combat, une fois... j'ai pas fait le chaos sur un Pierroli avec Surf, je crois. Et j'étais très surpris, j'avais pas fait gaffe. Vous m'avez dit en commentaire, oui, oh, c'est pas vrai, il tient, encore un Pierroli qui tient. Vous m'avez dit, oui, mais il y avait le mur lumière. Effectivement, j'avais oublié. J'avais pas fait gaffe. Et là, le Pierroli tient. Donc, je sais pas si les vestes de combat. Ok, il a une grosse défense spéciale, mais là, Surf stabé sous la pluie, faut pas déconner là, sans mur lumière, je vois pas comment il peut tenir. C'est forcément une veste de combat. Ah bah non, il a pas. D'accord, c'est juste un bulk énorme. Il doit être fou. Bon, j'avoue, ouais, c'est... Alors là, je suis très surpris. Faut qu'ils tiennent ça, sans déconner. Waouh. Le Filali qui ne nous dérange absolument pas, puisque de toute manière, il est plus lent. On peut le mettre KO avec Laser Glass. On va pouvoir tuer Pierroli sans qu'il ne puisse rien faire du tout. Ah, la team évolution, là, n'a pas fonctionné, là. Là, clairement, on va se retrouver en 4v1. Coup critique sur Nymphali, sur Filali. J'en avais pas besoin, merci quand même. Repasse plus tard, le coup critique. Laser Glass, il n'y a plus de Filali. OKLM, ce combat, j'ai envie de dire. Il n'en reste plus qu'un. Évolution ou pas? Est-ce que c'était vraiment une team évolution? Ou est-ce que c'est... Non, c'était pas un hasard, alors. Ok. Un Octali pour finir. Et on va y aller pour Surf Ébullition. Franchement, il pourrait faire forfait en face quand tu sais qu'il est dans une situation pareille. Même... Je peux le brûler. Au pire, même si je le brûle et qu'il a 5 coups et qu'il me brûle en retour, qu'est-ce que ça change? Au final, j'ai tout intérêt à le brûler. Ah, je le brûle pas. Dommage. Dommage. Ça mange la Bicitrus. Très bien. Et ça fait l'attaque feinte.
Quel dégât exceptionnel. 60 de puissance. Je suis tout chamboulé là. Là, oh là là, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce qu'on termine avec surf? Je pense pas. Hein. Ah si, d'accord. Ok. Ah oui, quand même, j'ai fait autant de dégâts avec surf juste avant. D'accord. Parce que Noctalib, il a une grosse défense spéciale. Et en plus de ça, il n'est pas faible face au type O. Contrairement à Pyroli. Ça me surprend. Si on compare avec les dégâts de ébullition, ouais, un peu de choses près, là. Peut-être plus tenir, ouais. Il lui manquait peut-être un petit peu quand même de PV, sûrement. Ok, combat numéro 30, dernier combat pour aujourd'hui. Combat numéro 30, bon, on parle souvent du palier du combat numéro 20. On dirait que c'est après le combat numéro 20 que c'est difficile. Du 20 au 30, jusque-là, on n'a pas été en grand danger. Donc ça s'est plutôt bien passé. Ah, une team avec des Pokémon, oh, ça c'est chiant. Ce serait pas chiant si j'avais un Ludicolo, mais je trouve que pour la maison de combat, Hyperwa est beaucoup plus intéressant, parce qu'il est beaucoup plus solide. Ses faiblesses sont un peu plus rares. C'est vrai que vol, poison et insecte, c'est quand même assez fréquent dans l'ensemble des Pokémon. Alors que dragon et fée, ça l'est pas nécessairement. Comment on va faire du coup? J'y vais pour surf rien que pour booster. Ouais, j'y vais pour surf rien que pour booster mon Hyperwa. Et on va chercher le Léviator. Parce que si ça commence à faire des danses draco, ça peut être très très chiant. Ça fait des dégâts qui sont pas négligeables hein, sur les Pokémon adverses. Léviator a une belle défense spéciale, faut pas l'oublier. Donc je pense pas l'avoir avec Dracochoc. Mais je veux pouvoir avoir le KO au tour suivant. Avec Surf, ce serait préférable. Ouais, Surf suffira. Eh, ça fait une danse Draco et ça c'est chiant. Mais après, est-ce que ça va lui permettre de faire le KO sur Tarpo? Je ne pense pas, hein, clairement. Est-ce que le Wild... Ok, Wailord, il fait... Anneau Hydro, ce qui est pas gênant, hein. Ok, reste un Hydro, c'est un Wailord de la récupération de PV infini. Du coup, on va le laisser tranquille. On va essayer de se retrouver en 4v1 face à lui. Quoique, non, on va l'attaquer quand même. Je vais l'attaquer. Ouais, avec Dracochoc. Au final, tenter la brûlure, c'était pas très rentable. Oh, lui, il fait 6, mais sur son Wailord, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et vous voyez, il est à plus 1 en attaque. Le Léviator, il fait que ça. Il est totalement perdu, le Léviator. Il sait même plus où il habite. Il ne sait même plus où il habite. Il connaît même plus son adresse. Il sait même plus comment il s'appelle. Il attaque le Wailord au final et ça me donne peut-être le chaos sur Wailord du coup. Et ben on remercie Léviator, merci beaucoup hein, parce que ça me donne le chaos sur Wailord, merci beaucoup. C'était... Je trouve que c'était beaucoup demandé mais merci quand même. Allez, Ayafona. Ah. Il a pas sécheresse, ok bah c'est gagné, merci beaucoup. voilà, j'ai généreux. D'accord. Ok, bon. Un Fenard sans sécheresse. Très bien. Merci, c'est gentil. Ah, Fenard tient quand même. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que c'est comme objet? Une baie citrus. Oui, une baie citrus. On voit, il récupère 25% de ses points de vie Toto. Ok, entrave, c'est pour Tarpo. C'est pas gênant. Même si je suis bloqué sur lutte maintenant. Qu'est-ce qu'on s'amuse? On met KO le Polagriffe. Derrière, il reste plus que Fenard. Ah, j'ai envie de finir avec lutte, moi. Allez, Tarpo, finis Fenard avec lutte. Et voilà, on fait le KO avec lutte. Truc qu'on voit assez rarement. On a fini Fenard avec lutte. Et ça fait plaisir. Même, on aurait pu être en difficulté face à un Fenard. Et bah, même pas. On lutte jusqu'au bout à l'image de Tarpo. On lutte jusqu'au bout et on luttera jusqu'au combat numéro 35. La semaine prochaine, rendez-vous mercredi prochain à 16h30 pour le prochain épisode de la Maison de Combat. Salut tout le monde!